Salut Jean, on se retrouve sur Age of Empires 2, on poursuit notre série de missions sur le nouveau DLC Chronicles Battle pour la Grèce. Bataille pour la Grèce. Alors, 1494, il s'est écoulé du temps, il y a eu beaucoup de missions qui étaient très serrées dans le temps, là, Ioni, Sardes, Éphèse, et là, 4 ans plus tard. Mort aux traîtres, les rebelles grecs se préparent pour leur ultime affrontement à Milet. Dans une offensive combinée, mêlant assaut naval et siège terrestre, les Perses comptent bien briser leur détermination une fois pour toutes. Et là, il n'y a pas de succès ici. Je rappelle qu'on a entamé un succès lors de la précédente mission qui se conclura lors de la mission Terre et Eau. Donc il faudra se souvenir de ça, il faudra à nouveau aider Artemis à ce moment-là. Je ne sais pas si elle sera présente ici, peut-être bien. C'est parti. Tel un boxeur surpris par un crochet et qui se tourne vers son adversaire, sa rage décuplée. Artaferne asséna sa première contre-offensive à la rébellion à Éphèse. Les Perses s'attendaient à ce que cette révolte se brise au premier obstacle. Et pourtant, les Grecs persévérèrent. Artaferne savait quoi faire. Il dirigea la totalité des forces perses vers Milet, la ville d'Aristagoras et épicentre de la rébellion. Ce ne fut pas une tâche aisée. Milet était une puissante métropole, célèbre pour sa richesse. Depuis son port fourmillant, de nombreux navires partirent établir des colonies sur les côtes de la mer Noire. À présent, ce port abritait toute l'armée ionienne. Ses trières étaient remplies de fiers soldats grecs. C'était une cible formidable. Mais Artaferne était bien au fait de la discorde qui régnait parmi ses anciens sujets. Il savait que pour démêler l'alliance grecque, il lui suffirait simplement de tirer sur le bon fil. Et ce fil, Artaferne le trouva. La mutinerie guettait les navires grecs. Ces marins ayant été réduits à l'épuisement par leur impitoyable amiral, Denys, le Phocéen. Artaferne avait trouvé le point faible de Milet. À présent, il ne lui restait plus qu'à lui porter le coup fatal. Alors, plusieurs petites choses ici. Denys. Moi, je connais Denys d'Halicarnasse et je me demande si c'est le même ou pas. Mais qui était une sorte de tyran grec. Peut-être que c'est le même, peut-être que ce n'est pas le même. La flotte grecque est ancrée au large de l'Adée. La reine Artemis aura besoin de notre aide pour la repousser. Okay. Que ce soit par la force ou l'espionnage. On est là. Les murs de Milet sont extrêmement résistants. Impossible de créer une brèche sans sapeur. La reine Artemis en mettra à disposition. Alors, là, le truc, c'est de trouver la nourriture. Il n'y a pas de nourriture. On va aller au bois. Pendant ce temps, nous serons sûrement attaqués et persécutés. Nous allons devoir nous défendre tout en préparant notre assaut. Ouais, ok. Donc, il a été fait référence à Phocée, qui est une cité, pareil, de Ioni. Et qui... Alors, je ne sais pas si c'est exactement à cause d'une guerre civile ou de l'invasion des Perses, mais les Phocéens... Non, c'est pas l'invasion des Perses, parce que c'était bien avant. C'était autour de l'année 600 avant Jésus-Christ qu'une partie des Phocéens a dû partir en direction de l'ouest pour aller fonder une nouvelle colonie dans le sud de la Gaule, qu'ils ont baptisée Massalia. Et ce qui fait de Marseille la plus vieille cité de France. La plus vieille cité de France, ouais. Alors, je vais rester en lent comme ça. On va lire un petit peu. Ah, tu es Aristagoras. Là, on rentre sur la fin d'un acte. Il se cache dans l'un des forts de Milet. Détruisez 6 chantiers navals de la flotte ionienne pour que le siège puisse commencer. Détruisez 3 bases de ravitaillement milésiennes. Ok. On peut avancer jusqu'à l'âge impérial dans ce scénario. Les murs de Milet résistent aux unités de siège classiques. Artemis Ier fournira des sapeurs pour les miner. Mais vous devez d'abord lui permettre de débarquer en éliminant la flotte grecque. Vous disposez de 2 bâtiments navals différents. Le port forme des navires économiques et éclaireurs. Le chantier naval forme des navires militaires. Le Léviathan est un navire de siège à longue portée disponible à l'âge impérial. Pour le débloquer, développez flèche incendiaire à l'académie. Donc ça, je pense que c'est ce qui nous manquait, parce que dans l'épisode précédent, on avait pu avoir un navire de guerre à catapulte, mais il n'avait pas une portée exceptionnelle, et du coup il se faisait arroser par les tours et par la forteresse adverse, je me souviens.
Les navires de pêche peuvent récupérer de l'or à partir des huîtres trouvées en mer. Ok. Who know me? On va se faire un deuxième forum, près de la forêt là-bas, pour accélérer notre production. On va continuer là sur la nourriture. Allez, je vais passer en vitesse normale, parce que j'ai pas envie de passer 2 heures sur la partie, même si je devine qu'elle a un potentiel à durer très longtemps. C'est pour ça justement que je vais accélérer un petit peu ici. Ouais, à l'appareil, à la pêche. Et je pense que là, on va accentuer sur la nourriture dans un premier temps, puis après on basculera sur l'or. Et là, on va focus sur le bois. Artemis, elle est en jaune. Ok. Elle est en jaune. Nous. Et là, je me sens un peu exposé dans le coin. Il a une portée très faible pour visiter les environs, donc ouais. On va faire gaffe à nos navires de pêche. Bon, peut-être qu'on va être attaqué et détruit à un moment donné. Le coin d'Artemis est plus sécurisant. Donc nous, le plus proche de nous, c'est ça. Ce petit marché. Il y en a un autre ici, et il y en a un autre beaucoup plus au sud. Le deuxième marché est terminé. Le deuxième forum, pardon. Donc là, on va faire à fond des villageois. On se fait attaquer. On a une troupe quand même pour tenir. Hein. Je sais pas si ça va être suffisant. Normalement, si. Datis 320. Nous 300 à Arthacar. Ah, on est limité par... Okay, bon, d'accord. Konami. Et on va partir sur le développement ici de tout ce qu'on peut faire pour le bois et les fermes après, hein, parce que bientôt il y aura plus de, ouais, il y aura plus de nourriture ici. Donc il est temps qu'on ait du bois d'ailleurs, ouais. Mastabavan, Kaniyami, Suva Manayami, Kaniyami, Mam Framaya, Aita Kunavani, Suva Manayami, Yatha Suvamkama. Oh, on est attaqué par là. Un stratège, une seule unité quoi. Et elle va nous péter. Ah bon sang, on est trop lent. Il va être capable de péter le bâtiment, je pense. De l'autre côté, bah il faut qu'on bascule là. Il faut qu'on bascule la nourriture autour de ce forum en particulier. Konami. Une autre troupe. Alors cette fois-ci, ce sont Pyrea. Pyrea. Je sais pas ce que c'est, ça. Peut-être qu'il y avait une cité qui portait ce nom-là, mais moi je pense au port du Pirée. Mais ce n'est pas le cas ici, c'est autre chose. Bon, en tout cas, on a un front qui est très ouvert et c'est un peu pénible. Je sais pas comment on va faire pour se défendre efficacement. Artaferne, préparez les trières. Ces peuples ioniens peuvent à peine faire un nœud plat, mais ils sont nombreux. Fouvam, ouais, ben on va faire des une académie là dans le coin. Après confort, on retourne ici. Hop, de près, tresse, on fait ça. Ah, il nous manque encore la population, tiens. Akshnomi, Kaniyami. On peut se faire très rapidement. Des habitations, on rappelle que c'est 100% plus rapide avec les Perses. Bon, là c'est compliqué. Il a envoyé un assaut assez solide. Je vais pouvoir faire une forteresse. Ah, d'une façon assez centrale. On va faire ça là. Est-ce qu'on va tenir face à ce nouvel assaut? Les stratèges sont pas très costauds, mais ils sont très puissants en termes d'attaque là. 18 d'attaque. C'est bon, on va les avoir. Et on va se soigner. On aura bientôt notre forteresse. L'académie pendant ce temps-là. Là, il faut faire ça. Ensuite, il faut faire ça. Hop. Ok, on n'a pas non plus de... Mes espions me rapportent que les Samiens de la flotte grecque sont prêts à changer de camp. Quelques dariques dorés devraient faire pencher la balance. Ok. Ça, c'est pas un problème, c'est un navire que j'aurais exploré. Des bases de ravitaillement détruits, 1200 pièces à la flotte ionienne. Tribu de 1200 pièces, bah, il va falloir qu'on annule le surplus ici des tribus. De toute façon, on va devoir passer l'âge, ça c'est certain. Ça, on va améliorer aussi. Dès qu'on aura la forteresse, on pourra passer l'âge. Soit, après avoir fait ça, tu fais une forge, c'est nécessaire. Ok, on va pouvoir passer l'âge. Hop, c'est parti. On n'a plus de pierre, mais on avait quand même fait un bon stock derrière nous. Est-ce qu'on reste sur les archers ou les lanciers? Bah, je pense que ça va être toujours les archers. Je ne change pas une équipe qui gagne.
Le bois, on est en masse, hein. C'est vraiment hyper efficace. Là, ce qui nous manque, ouais, c'est ça, pour être plus précis. Avec nos tireurs. Et est-ce que je fais un mur ici pour l'orienter vers ma forteresse? Peut-être bien, hein. J'ai les ressources pour, donc... pas se priver de ça. Voilà. Eh ben tiens, il fallait que ça tombe sur moi. Purée. Enfin, sur moi. Sur mon petit villageois. J'avais un villageois et le gars, il l'a chopé. Bon. On en voit deux. Et on va protéger ça. Ah bah tiens. Il y a eux. Allez, chopez-moi ça. Ça va trop tard pour convertir quelqu'un. Ouais. Tant pis. J'envoie mes rameurs contre toute trière qui rôde dans ces eaux sans loi. Oui, carrément. Cela dit, les défenses côtières sont une affaire plus délicate. Développer flèche incendiaire à l'académie pour... Ah oui, parce que j'ai passé l'âge, c'est pour ça. J'ai passé l'âge, voilà, flèche incendiaire, très bien. Qu'est-ce qu'on a en développement économique? Voilà, les champs. Et on sera au maximum de nos capacités ici. Là, les murs, c'est bon. Ils vont être orientés vers la forteresse qui pourra les détruire. Ah oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on est à l'âge 4. Avec une base économique, plutôt. Ah, conscription, c'est trop fort. Enfin, tout est très bien, là. Tout est très bien. On a un petit problème d'or, par contre. Faudra qu'on annule ça. Mais d'abord... Alors, attendez. Là-bas, il y a de l'or. Formez un Léviathan dans votre chantier naval. Alors, chaque... chariot me rapporte 40, en plus il va un peu plus vite maintenant. Bientôt je pourrai faire ça et j'aurai pas de tribut supplémentaire à payer lorsque je ferai l'échange des 1200, mais il faut que j'accumule beaucoup. Hein. Le Léviathan, ça coûte très cher. On va le faire un peu plus tard. On peut pas passer au travers normalement de toute façon. Hop. Là je suis un petit peu exposé aussi. La forteresse est suffisante, donc on va se concentrer là-bas, enfin on va concentrer nos forces dans un coin là-bas. J'arrive pas à stocker suffisamment d'or pour l'instant. Ça saurait tarder, mais je vais me préserver du coup. Alors du coup, est-ce qu'on va choisir, parce qu'on a une nouvelle amélioration possible au quatrième âge, soit je favorise les chars de guerre, avec un piétinement accru, soit l'infanterie et les archers auront 15% de PV en plus, et je pense qu'on va aller là-dessus. Parce que je vais faire beaucoup de méloforts à un moment donné. Alors, verser à la flotte ionienne. Verser la flotte ionienne. 1200 pièces d'or. Flotte ionienne, bah, c'est la civilisation spartiate apparemment qui les contrôle. Voilà, 1200, je me vide de mon or. Vos méthodes portent à nouveau leurs fruits, Artaferne. Et c'est bon. Il semble qu'il y ait plusieurs voies vers la victoire. Maudits soient ces chiens infidèles! Cool. Que vos plaies se remplissent de pu sous la colère d'Apollon! Que les entrailles de vos épouses se tordent sous la vengeance d'Iliti! Il n'est pas l'air très content. On va faire une petite quantité importante là de mélophore. Ça vaut pas cher, hein, c'est cool. C'est cool. Après, l'unité en soi, justement, n'est pas très résistante, mais on va en faire surtout des archers. On va faire un Léviathan. On va progresser dans les quêtes secondaires comme ça, même si on va pas l'utiliser tout de suite. Hein, l'objectif, c'est d'aller raser les trois petites bases d'Aristagoras à l'extérieur. Là, il se casse les dents sur ma forteresse, donc c'est très bien. Alors là, personne ne passe. Attendez, voir. Personne ne passe. Ah, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il va essayer de faire. Non, c'est bon, il revient. Ok. Par contre, les violets, je me demande comment on peut les choper. Là, on y va avec 29 gus. On va péter ça. Si on améliore au maximum, hein, j'ai plus rien amélioré ici. Là, j'ai amélioré aussi. Ah si, il y a ça. Hop. Qu'ils aient 15% de plus de points de vie, ce qui est très léger. Hein. Ils ont 60 points de vie, donc plus 15%, ça fera très peu. Eh, on était juste à côté. Allez, on passe à l'arc. On passe à l'arc. Voilà, et puis là, on les arrose. Parfait. Allez, on rentre là-dedans. La cavalerie lourde, là-dessus. Ça devrait le faire quand même. Ouais, ça devrait le faire. Allez, on va en faire d'autres à l'intérieur. Oh,
Asta baba. Alors, on peut passer encore à corps. Comment? Ah, d'accord, la porte. D'accord, la cavalerie est passée par la porte et les autres n'ont pas pu passer. Bon, on va rentrer assez vite. Pas très solide, mais ils sont très puissants. Et on arrive à 1 sur 3 déjà, c'est bon. 500 pièces d'or rajoutées. Ah, bah si j'avais fait ça en premier, j'aurais pu plus vite faire fuir la flotte adverse. Ok, on passe à l'arc. Et on va se diriger vers cette petite base. On a bien souffert ici. Il va falloir que j'envoie quelqu'un pour réparer ça. Bah, ça tombe bien. Voilà. La mission, réparer la forteresse. Nous y voilà. Alors là, de l'autre côté, il attaque, mais c'est toujours petite patrouille. Par contre... Voilà, laissez-nous rentrer. Bah, on n'arrivera pas. Non, non. On est trop dispatché pour pouvoir le faire. On va devoir péter la porte à l'ancienne. Mais ouais, ça va aller assez vite. On va peut-être perdre un ou deux gars, mais... Elle n'est pas très améliorée. Ah si, quoique, quand même, elle est assez solide. Allez. Unaomi. Deuxième base milésienne détruite. On se dirige vers la troisième et puis ensuite on enchaînera avec Pyra. Peut-être qu'il y a une petite quête que je n'ai pas encore découverte qu'on pourra effectuer. Ah, peut-être que il faut passer par ouais, par là. Ou alors par le nord, mais là en tout cas, ici, on ne peut pas passer. Allez, donc on va sur le point de passage principal. C'est une palissade de bois, donc ça va tomber très très vite. On va rentrer dans la deuxième partie de la map, côté sud. Je sais pas quelle est cette rivière là. Hop, c'est parti. Résistez autant que vous voudrez, rebelles. Le méandre portera vos cadavres à la mer. Le méandre, ah voilà, le méandre, c'est ça. Alors non, il y avait plusieurs fleuves connus dans la zone. Le méandre s'en est un, mais il y a toujours celui qui évoque l'argent que je n'ai plus en tête. Celui-là, je ne l'ai pas retrouvé. Enfin, je ne l'ai pas cherché, pour tout vous dire. Ah, bah on tombe sur une armée grecque, très bien. Comme ça, on va pouvoir les enchaîner. Et puis après, aller à la dernière base. Ah bah, ils sont assez nombreux. Hein. Stratège d'élite. On aura perdu 0 mec, on était 58 quand on est parti. On chope celui-là. On va rester un petit peu pour se soigner. Assez tergiversé, Artofern. Terminé. J'ai besoin de vos navires. Ça, c'est bien. Alors, il faut qu'on trouve les violets maintenant. Enfin, même s'il n'y a pas de quête, je me demande où ils sont. Pyra, c'est forcément une ville. Ils ont 4000 points, c'est pas ridicule. On va peut-être se poser un petit peu pour se soigner. Et on va se faire une flotte. Je n'ai qu'un chantier naval pour l'instant. On va faire beaucoup de Léviathan. Navire de guerre anti-bâtiment à très longue portée. Permet un navire de guerre à proximité d'attaquer plus vite. Ok, on va en faire quelques-uns. Et pourquoi ne pas faire plusieurs chantiers navals? Citoyens de Mionte, posez vos armes et permettez-nous de passer à Milet. Ouais, on va autrement, voir réagissent. Vous subirez le même sort que tous ceux qui défient leur seigneur légitime. L'autorité du grand roi s'affaiblit ces jours-ci. Et nous ne nous soumettrons pas sans contrepartie. Alors, qu'est-ce que tu veux? Une compagnie de mercenaires a établi son camp à proximité. Et au lieu de chercher du travail, ils utilisent leurs armes pour menacer nos terres. Si vous les vainquez, peut-être vous accorderons-nous le passage. En des temps plus stables, une telle insolence serait punie. Mais il est peut-être plus pragmatique de simplement céder à leurs demandes. Rappelez vos hommes, Satrape. On y va. Nous venons avec une proposition. Donnez-nous Mionte et vous aurez sous vos ordres les mercenaires les plus redoutables de toute l'Ionie.
Intéressant, intéressant ça. On a un choix à faire. 4 tours de Miante pour les mercenaires. Battez les mercenaires pour sécuriser la route de Miante. Moi j'ai envie de... Là je suis parti pour les mercenaires. On va détruire les mercenaires. Je sais pas à quel point Miante est bien défendu. Ça a pas l'air d'être très bien défendu, mais bon. Ça a l'air d'être une mission... Enfin, quelque chose d'assez équivalent. Je sais pas à quel point je vais être rejoint par Miante. Est-ce qu'ils vont juste passer neutre? Ou est-ce qu'ils vont me donner des troupes ou... des ressources, je sais pas. Bon, on rentre dans la base finale des mercenaires. C'est pas très solide, hein. Bah, j'imagine que Miante était tout aussi résistante que ça. Pendant ce temps-là, je me constitue une flotte relativement imposante. On améliore nos navires autant que faire se peut. À un moment donné, on lancera un assaut, il sera temps. Parce que là... Je ne traite pas avec les flibustiers et les brigands. Ça va être bon. Parce qu'Artemis, elle a été mise à mal à un moment donné. Nos portes vous sont ouvertes, ça trappe. Ils sont alliés. On n'a pas perdu un seul homme ici. Des mercenaires vagabonds qui assaillent nos cités. Des routes infestées de brigands. Restaurer l'ordre ne sera pas tâche aisée une fois la situation réglée. Il y a Didym et il y a Pyrrha également, auquel auprès on pourrait peut-être obtenir des missions, je sais pas quoi. Ah tiens, j'ai pas tout fait, je suis bête, j'aurais dû faire ça. Parce que ça doit agir sur tous les bateaux. Bon, pour les prochains navires, du coup, on fera ça. Ça aussi, ça peut être pratique. Le Lembos, ça c'est facultatif, on va le faire quand même. Je suis riche, très riche. Ah, les violets passent par là. Alors, est-ce qu'ils vont attaquer? Ah, j'ai une troupe là. Non. Ah bah, en fait, il fallait bien passer par là. On va aller voir Pyrrha en passant. Ah, bon sang! Bon, tant pis, si on les laisse passer, nous on va là. Je vais pas m'en inquiéter, ils vont se briser les dents là-dessus. Nous ne désirons aucun conflit avec le grand roi. Je vous en prie, passez votre chemin et ne portez aucun préjudice à nos terres et à nos sanctuaires. Ouais, pas de problème. Et il reste Didym plutôt, je sais pas où ça se trouve. On va aller vers là. Et je me consolide ma flotte parce que là, j'ai 6 chantiers navals à détruire. Il faut qu'on soit vraiment en capacité de le faire. Après, l'avantage, c'est qu'il faut juste longer la côte. Ces tours-là sont assez intimidantes. Pas si solides que ça. Mais il y a tous ces navires aussi qu'il faudra contrer. Donc des trières et des galères d'élite et surtout des léviathans. Allez, c'est parti. On est parti. On va voir ce qu'on vaut contre tout ça. Ah, c'est pratique quand même. Ah, c'est hyper pratique. Allez, on fonce là-dessus. La tour. Une autre tour. Chantier naval. La tour qui est là. Chantier naval. Tour. Chantier naval. Allez, ça devrait le faire. Je sais pas s'il a suivi. Non, il n'a pas suivi mes ordres correctement, là. Didymès avec son précieux temple d'Apollon. Didymès. Le voir en flamme serait un coup dur pour le moral des Milésiens et une juste rétribution pour avoir ravagé les sanctuaires de Sardes. C'est peut-être juste, mais je vous avertis. Ah. Rien de bon ne résulte jamais de la destruction des temples, quelles que soient les divinités qu'ils honorent. Il n'y a pas de contre-feu, enfin je veux dire... C'est un double temple du coup. Oh, il m'avertit, mais... Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de mission d'oracle dans cette mission. C'est la première fois que ça arrive. Ou que ça n'arrive pas, plutôt. Allez, il faut détruire ça. Allez, vous, éparpillez-vous. C'est vraiment ceux-là qui doivent se consacrer à ça. La forteresse aussi, bah, quoique, à la limite, on peut la laisser, hein, mais... Il faut détruire les chantiers navals. Tout s'accélère un petit peu, là. Voilà, le temple est détruit. Comment pouvez-vous oser mettre le feu au temple d'Apollon? Aux armes! Ah bah oui, d'accord, ok, je comprends. Fallait le tenter. Ah mince, par contre, là... J'ai perdu tous mes... Ah ouais, d'accord, ok, ben c'est...
Je pensais finir les deux missions parfaitement. On a fini une. Et ça s'est pas bien fini d'ailleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est l'étrière d'abord. Et ensuite, les Léviathans. Et il nous manque juste un chantier naval à achever. Et il a eu un regain de troupes, là, d'un coup. Alors, du coup, celui qui s'est déchaîné contre moi, c'est Pyrrha. Miante est resté avec moi. On va aller raser Pyrrha. C'était quoi, Pyrrha? C'était une petite base ici. On a 4000 d'or. On peut pas voir toute la carte. 7800. C'est pas si cher, hein. C'est pas si cher, mais là, avec les dépenses que j'ai faites pour... ouais. Ah, pour les Léviathans. Peut-être que je vais enlever les Léviathans temporairement. En enlever quelques-uns. Bon, ils nous disent pas de... détruire Pyrrha, mais on va le faire, sinon il va nous renvoyer des troupes contre nous. Bah voilà, voilà ce qu'il fait là. Nous, on va tout raser. Je sais pas où était son forum précisément, sans doute ici. Ah oui, d'accord, non, il a une vraie base. Allez, on peut rentrer dans la ville. On va tout raser, mais ouais, c'est un problème, parce qu'il n'y a pas d'objectif particulier à compléter là. Donc c'est un petit peu un truc sans issue, cette histoire de détruire le temple. On n'a pas vraiment le choix, quoi. Enfin, c'était un objectif, quoi. Donc si je voulais vraiment faire toutes les missions, il fallait la faire, celle-là aussi. Alors, ah, voilà. Donc là... Ah non, c'est Miante qui me verse des sous. Vu qu'on n'a plus personne à l'or, enfin, à miner de l'or, on est un petit peu lent dans la récolte d'or. Donc j'ai ordonné le recrutement de nouveaux chariots. Et on va bientôt pouvoir explorer toute la map. Ah bah on le peut. Bah oui, puisqu'on a tué plein de villageois là. Très bien. 3800. Et voilà, on voit la map en entier. Ici, c'est une île du coup. D'accord. C'est une île. Lui, bientôt il sera hors jeu. Didyme, on peut considérer qu'ils sont hors jeu. Je sais pas pourquoi ils sont toujours là. On va refaire quelques Léviathans. Notre flotte, notre nouvelle flotte est parée pour la nouvelle offensive qui consistera juste à achever ici le dernier chantier naval. D'ailleurs, Artemis a repris un peu du poil de la bête et elle fait du mal aux Ioniens. Je ne sais pas comment vont réagir les Ioniens quand on aura détruit le dernier chantier naval. Est-ce que ils vont passer de notre côté? Ah ouais, du coup, ouais. Aristagoras, il a sa propre flotte. Donc là, il va contrer l'adversaire. Hop, allez, c'est à vous. C'est à vous de basculer. Et voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? Inutile, paresseux, voilà. Lâche imbibé de vin. Hissez les voiles et sortons d'ici. Génial. Ces imbéciles ne méritent pas mon aide. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça a clignoté ici? 40 unités. Au marqueur, ok. Là. On va achever ça à la rigueur. Bah, j'ai mes 50 unités qui sont là, on va les envoyer au marqueur, on va voir ce qu'on nous demande. Moi j'ai envoyé des villageois au sud pour construire un forum, puis ensuite on construira une forteresse qui nous permettra d'avoir des armes de siège. D'ailleurs, il faut que j'envoie toutes les troupes complémentaires ici. Allez, qu'on nettoie tout ça. Et ici, lui, il a ses propres chantiers navals qu'on pourrait atteindre en fait. Hein. On a les capacités pour le faire. Bon, on attaque un peu frontalement la base adverse. Les tours en priorité, puis les ports. Je sais pas si on n'aura peut-être pas les capacités pour tout détruire, mais on va lui faire mal. Je comprends pas. 40 unités dans la zone marquée pour commencer le siège. Ah, c'est là! D'accord, ok. Bon, on revient. Ainsi soit-il. Regarde avec bienveillance ton humble serviteur. Permets-moi simplement de vivre et je te construirai le plus grand temple que tu aies jamais peut-être vu. Qu'il était là. Avec des colonnes de marbre, une de ces statues lambrissées d'ivoire, tout ce que tu voudras. Ok, j'ai détruit sa flotte. J'ai détruit ses ports. Donc là,
il ne peut plus faire de bateau. Hein. Il y a encore quelques navires de pêche, mais il ne peut plus faire de bateau. C'est parce que j'ai détruit une de ses forteresses, mais il n'était pas dedans. Ou alors il s'est planqué dans une autre. Donc là, on repose vraiment sur... sur l'arrivée de l'armée, dans la zone, ici. Et puis, de mon côté, je vais aussi faire l'échange. Voilà, histoire d'avoir de quoi faire une forteresse. Ici. Un atelier de siège, pourquoi pas. Enfin, on va faire tout un quartier militaire, quoi. Unomi. Nijami. Oh, il fait une sortie. Il fait une sortie. Attention. Il l'a séparé en deux. Kunami. Mam framaya. Mastava suvam nijami. Akshnumi. Shiavami. Suvam manayami. Enfin, mon armée arrive dans la zone. Il y aura quelques troupes à détruire. Et on va avoir notre objectif final. Allez. Je ferai débarquer les experts de siège. Ça devrait être intéressant. C'est vrai qu'elle devrait... elle va détruire les murs avec des sapeurs. Et voilà, creusez, une base sapeurs, de siège ici. Creusez comme si vous tentiez de sauver Eurydice des enfers. Et moi, je vais avoir mes propres armes de siège ici. C'est qu'on les a pas utilisées encore jusqu'ici. Aux armes ! Palitons. Ils essaient de saper les murs. Palitons. Alors, les armes de siège étaient très rudimentaires à l'époque. Pas du tout aussi efficace que les catapultes romaines le seront, et encore moins les trébuchets du Moyen-Âge. Hop. Mais bon, pour le bien du scénario, ils nous ont mis des armes de siège. Je sais pas si on va la protéger véritablement, elle n'a pas la capacité de se défendre du tout. Bon, alors du coup on y va. On va fixer une tour, je sais pas, après on peut détruire les portes nous-mêmes. Hein. Franchement, je sais pas... Ils partent d'où ces points de sap? Ici, ok. Ici. Ici aussi. Ok, il y a 3 points de sap. Bon, il n'empêche que je vais détruire les tours. Il fait une sortie, attention. On est là. Hop. On va détruire... Ah bah non, on peut pas, d'accord, autant pour moi. Je comprends. Donc, autant les faire se replier. Les préserver un petit peu. Récupérez les pioches de rechange. Nous devons réparer ce tunnel. Je sais pas s'ils avancent tous à la même vitesse, en tout cas. Là, il arrive à contrer un petit peu la progression ici. C'est bon. Bon, ouais, je vais aller par là. Pensez-vous vraiment pouvoir percer mes défenses, Artaferne? Je me délecterai de mon meilleur vin en assistant à cette comédie. Allez, hop, on va faire la jonction avec toutes nos forces. Est-ce qu'on chope cette tour-là aussi? Là, il y en a une déjà, bah oui. Allez, on y va. Adam Tai Bandaka. Master Mainana. Tuvam Kama. Imarda! Tuvam Manayami. Les murs extérieurs sont perdus! Tous les murs! Repliez-vous, soldats! C'est tout d'un coup, en fait. Ok, bon, alors c'est parti. Assaut généralisé. Verser un tribut Artemis Primaire pour recevoir des armes de siège. J'en ai déjà. Juste de les préserver maintenant. 500 pièces d'or. Je vais le faire, hein, juste pour le fun. Tiens, on va fixer ça. On va continuer de faire des troupes. On va faire des méloforts, parce que ça se fait très vite. On va faire des chars. Anti-infanterie. On va faire des gardes d'élite. Aura Majda, aide-moi! Ces plaies sont profondes. On s'est fait avoir. Ah mais la mince. Ah oui, c'est bête ça.
J'ai pas vu les béliers. Je vais lui faire le versement. On va voir ce que ça vaut. Artemis, 500 d'or. Vos engins de siège sont prêts, Artaferne. Alors la tour qui est là en priorité peut-être. Et c'est où? C'est là. Ok. Alors c'est un flux continu, donc là c'est un peu compliqué. Je me suis peut-être trop étalé. Lui, on va le préserver. Ah, nos archers sont supérieurs quand même. Bientôt on va avoir cette arme de siège. Là on va détruire la tour. J'ai un complément de d'armes de siège ici. Donc on va pouvoir détruire cette forteresse-ci. Et j'imagine que l'adversaire se planquera dans la dernière. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et voilà, on a pété la forteresse. Il était pas là. Donc, comme je l'avais prévu... Je reviens. Il se cache dans la dernière. Avec une autre cicatrice à arborer. Ouais. Ben, tu... T'es où exactement? T'es là, Datis. T'arrivera pas avant la fin de la partie. Hein. Là, normalement, c'est une affaire de... une minute, je pense. Didim a été vaincu. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'il avait réfugié un de ses villageois ici, qu'il ne faisait plus rien. Du coup, qu'il a été battu. Dans cet immense massacre ici. Ah, il s'est déployé là, celui-là. Et là, boum, quoi. Et là... Pour une fois, vous me surprenez, Aristagoras. Mes espions m'avaient rapporté que vous songiez à vous enfuir en Thrace, et pourtant, vous voilà, prêt à faire face à la justice. Oh, où est-ce qu'il a popé, au final? Bizarre. Non, c'est dommage, le... Ah, il est là, ok. Voilà, il est plus de flèches. Il a 875 points de vie, quand même. Mais bon, on n'est pas tout seul dans cet assaut. Et ben voilà, c'est terminé. Tonnerre de Zeus, ça fait mal. Est-ce... Oh, Hadès, c'est mon foie. La justice a fini par vous rattraper, vous et vos mensonges, Aristagoras. Comme tous les trompeurs le découvrent un jour. Une belle victoire, mon ami. Pour être honnête... Je t'ai sous-estimé en te considérant comme un simple bureaucrate, mais tu as prouvé que tu étais un véritable guerrier. Ton frère sera fier de toi. Merci, Merci, Datis. Ouais, il s'est fait couper la parole. Il s'est fait couper la parole à Artaferne. Et, bon, on avait déjà vu toute la carte, donc c'est pas la peine. À noter qu'il n'y a pas de reliques dans cette campagne. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas. On fait toutes les missions qu'on pouvait faire à l'intérieur... Tous les objectifs, plutôt, à l'intérieur de cette mission. Terre et eau. On arrive à un point clé où il nous faudra valider la suite de cette mission-ci avec Artemis. Là aussi, il faudra l'aider. Et ben, j'ai hâte parce qu'on est en 490, ce qui veut dire que on va bientôt passer à la bataille de Marathon. Du coup, on dira au revoir aux Achéménides et puis on passera aux Athéniens. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour cette 7e mission. Salut à tous!